Bonjour, président de Sky. Bonjour, bonjour, bonjour. Apparemment, vous avez bien vendu votre talent sur le marché de Massa. Bien vendu, est-ce que c'est le mot? Je suis pas un commerçant, mais je suis son excellence président de Sky. Un président n'est pas un commerçant. Je suis le président de la Guadeloupe, et là, ce matin, je suis très heureux de vous dire que la Guadeloupe a été honorée parce que la CEDEAO m'a désigné en tant que meilleur jeune humoriste de l'espace CEDEAO. Et quand tu vois ça, tu es content, tu es en joie. Voilà, et cela a été accompagné par une enveloppe, c'était l'enveloppe. Il est originaire de la Côte d'Ivoire, le jeune humoriste, président de SAS. Mais ce qui m'a coinqué le cœur, ce qui m'a fait mal, c'est que c'était en direct. Et je sais que le propriétaire de maison a un écran plasma, il aime suivre la télévision, il a attendu, alors qu'il doit 6 mois de loyer, il a un peu. Voilà. Mais en Guadeloupe, il n'y a pas maison, c'est ici quand il vient, il y a une maison. Voilà. C'est important. Monsieur le Président, pensez à nous, plein ça. Non, je pense à vous. Vous savez, le fait même de vous accorder des interviews sans garde de corps, sans audience, c'est parce que je pense à vous. C'est une pensée, vous voyez. Donc, voilà, je pense à vous. Je pense à vous. Sinon, normalement, je dois avoir un protocole. Dès que vous arrivez comme ça, je vous accorde une interview. Moi, pour m'interviewer, il faut au moins 6 mois de patience. Tout à l'heure, vous aviez esquissé les pas avec le groupe Canavas. Oui, mais écoutez, je ne sais pas si la caméra me le permet, mais tu vois, moi, comme vous voyez, avant même, c'est-à-dire que moi, là, c'est moi qui ai refusé de danser avec Michael Jackson. Oui, mais je suis un ancien danseur, un grand danseur. Oui, j'ai dansé avec des mégastars. J'ai dansé avec Bob Marley, Lucky Dube, Michael Jackson, Papa Wemba. Si vous voulez, mais je peux danser avec vous, hein, si vous voulez. Et le spectacle d'hier, vous avez donné un beau spectacle. Ah bon, hein, c'était pour le spectacle. Un beau spectacle. Bon. Et on vous a jamais vu comme ça. Oui. On dirait, vous avez, on a senti qu'il y avait quelque chose de fort que vous avez voulu donner. Prouver à tout le monde que vous êtes là aussi. Oui, mais, président Beskay, on connaît président Beskay sur les réseaux sociaux. Mais là, ce que les gens oublient, il y a les réseaux sociaux. Ce que je fais là-bas, puis il y a ce que je fais sur scène. Moi, de nature, j'ai été formé pour être un artiste, humoriste, un stand-up, une fois du stand-up. Voilà, c'est ce qu'on a présenté hier. On a l'habitude de jouer souvent à l'international, souvent sur le plan national, on joue là. Donc, en tout cas, hier, on dit vous avez 15 pays qui sont représentés au Massal, 15 humoristes. Mon frère, tu es en Côte d'Ivoire, tu joues à domicile, qu'est-ce que tu dois faire? Surtout qu'aujourd'hui, l'humour ivoirien est beaucoup plus suivi. Donc, quand tu viens comme ça, tu es à domicile. Vous me prendre 3 buts, vous me marquer 3 buts là, tu vois un peu. Sinon, on a fait, bon, moi, je ne sais pas si j'avais aimé, mais moi, il y a pas ce que je pouvais faire. Honnêtement, je n'aime pas parler de moi. Dans peu de temps, président Destin, on ne pourra plus voir ça, parce que le roi maintenant ne garde qu'au façon d'elle, l'argent commençait à rentrer. Hein, non, l'argent commençait à rentrer depuis très longtemps, mais c'est l'humidité qui fait ça, l'humidité. L'humidité. La langue française n'est pas née dans mon village. Voilà, l'humidité précède la gloire, parce que. Plus tu es accompagné de garde-corps, plus on te remarque. Imagine un président qui ne peut pas faufiler parmi les peuples. On ne sait pas que c'est moi. Mais là, vous aviez une enveloppe. Non, maintenant, la président. Oui, c'est une lettre d'accréditation. C'est-à-dire que j'ai fait une demande de visa. Voilà, j'ai fait une demande de visa là. Donc, c'est une lettre pour savoir si je peux passer prendre le visa ou pas. Laissez les artistes circuler librement, comme l'a dit monsieur le ministre de la Culture. Laissez les artistes circuler librement. Et moi, je veux. Circuler librement. Sinon, c'est une enveloppe. C'est l'aide qui est vivante. L'aide qui est vivante. Un mot de fin pour le massacre, le remerciement, si possible. Ouais, je remercie tout le monde. Je vous remercie encore, vous qui m'interviewez. Même si j'oublie votre nom, mais vous allez me dire votre nom. C'est voilà. Asson Stéphane. Voilà, le monsieur Asson Stéphane, oui. Voilà, quelqu'un qui se bat pour la culture ivoirienne. En tout cas, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment suivre. Parce que lui, il a toutes les informations, même les informations de Demi, il a dit à ça. Vraiment, merci à toi. Et puis, merci au grand frère Zongo, qui m'a mis sur la liste de ceux qui doivent jouer auprès de la culture. Et hier, vraiment, ça a été une réussite du spectacle. Et je remercie le directeur du Massa, je remercie monsieur le ministre du Massa, puis je remercie le bon Dieu, qui, ouais, depuis longtemps, travaille, mais maintenant. C'est en train de sortir un peu parce que la semaine dernière, on était lauréat encore aux Awa du Riz.
où on a eu le prix de la meilleure révélation 2017. En tout cas, c'était quelque chose qui parlait de Dieu. Mais Dieu même, tu sais, Dieu, tu fais la chose, hein. Mais Dieu l'a suivi et vient là-bas, il t'a dit. Mais j'espère que ça arrive à destination. Mais il a prédit, ma Seigneur, merci beaucoup, Dieu. Là, merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie.